Doua Nature Iti, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la deuxième journée de la commémoration des ancêtres Kamik. Dans cette phase de commémoration que nous sommes tous en train de célébrer, je remercie tous ceux qui se sont unis à nous, tous ceux qui se sont unis à notre appel de l'Académie de la culture noire, du sanctuaire de Théouti, pour célébrer, commémorer nos ancêtres. Aujourd'hui, dans cette phase de commémoration, nous allons essayer de revivifier l'histoire. Comme je l'ai dit, raconter l'histoire du peuple noir de la bouche de noirs et même, parce que pendant trop longtemps, notre histoire nous a été racontée par les autres, par les vainqueurs, par ceux qui nous ont vaincus. Et dans cette histoire, il y a eu beaucoup de mensonges qui aujourd'hui tombent clairs, sont clairs devant les yeux de tout le monde. Aujourd'hui, nous savons tous que Kama, qui est aujourd'hui appelée l'Afrique, ou encore Cachopa, était un grand continent. Et nous connaissons la civilisation kémétique qui était un filtre. Mais nous connaissons aussi que la civilisation kémétique naît de Tanecher. Tanecher, une région située au centre du continent noir, du continent Kama, aussi appelé Cachopa. Cachopa signifie le centre du monde. Et il y a les grands Cachopa et les petits Cachopa. Les petits Cachopa correspondent à la terre que nous avons appelée, nos ancêtres ont appelée Tanecher. Aujourd'hui, dans cette phase, nous parlerons une fois que Kemet est arrivé dans sa phase conclusive, quand Kemet a fermé ses portes, il y a eu la période des grandes migrations. Ces grandes migrations ont porté beaucoup de ce grand peuple d'immigrer, d'aller par exemple sur la terre qui est appelée Tarana, qui va devenir plus tard le Canada. Ils ont immigré partout, partout dans le monde. Et une de cette grande immigration conjugue ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples Zoulous. Dans le peuple Zoulou, nous allons parler de Shaka Zoulou. Nous allons signaler que Shaka Zoulou est connu, a été connu parce que grâce au film tourné avec l'acteur Alain Célé, qui aujourd'hui figure comme Shaka Zoulou dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. Eh bien, qui est ce personnage que nous avons vu pratiquement nu chaque fois? Ce personnage qu'on nous a vu courir pieds nus, vivant dans des huttes, se tuant dans les manières atroces. Qui est cette histoire? Eh bien, Shaka Zoulou est un héros du monde noir. Shaka Zoulou, c'est un des grands personnages qui se sont levés contre la guerre menée depuis cette époque-là, très longtemps, contre les peuples noirs. Les peuples noirs. Shaka Zoulou est un combattant, un des plus grands combattants et un des premiers combattants. Shaka Zoulou avait réalisé les dangers représentés par la présence étrangère sur les territoires kémétiques. Eh bien, Shaka Zoulou avait réuni le peuple du Nord, Zoulou, parce que l'Afrique, c'est ce que nous appelons l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Nord, Kama du Nord. Ces grands peuples avaient été réunis sous la grande tribu Zoulou pour défendre la terre-mère. Et jusqu'ici, les livres des histoires vous les racontent. Mais ce que l'histoire ne raconte pas, ce que vos livres d'histoire ne racontent pas, est que Shaka Zoulou a bâti les Anglais. Je dirais pas seulement les Anglais, mais les Occidentaux, bien au-delà des 17 fois. Ce qui nous arrive des narratives racontées par les griots de la tradition Zoulou est que l'armée étrangère, l'armée invasive, les descendants des Hyksos, mélangés avec les descendants des Turcs et des autres, et de ce que nous appelons les Indo-Aryens, avaient encore attaqué. Et pour bien plus de 20 fois, ils ont perdu la guerre. Ce que l'histoire ne raconte pas clairement est que Shaka Zoulou, l'armée de Shaka Zoulou, ne s'est pas seulement battue contre l'armée anglaise. Le monde occidental, comme vous le connaissez, comme vous pouvez voir aujourd'hui, se bat toujours en groupe. Il y avait à cette époque-là déjà une forme de OTAN qui faisait que pendant que l'on combattait contre les Anglais, les Français se reposaient et étudiaient la technique, la tactique utilisée par les peuples Zoulous.
Quand les peuples anglais avaient été vaincus, les peuples français prenaient la relève. Pendant que les peuples anglais allaient étudier leurs erreurs de technique, inventer de nouvelles armes encore plus puissantes, plus meurtrières. Et les Français venaient et les Français ont été battus. Les Français vont se retirer, battus, pour étudier encore mieux la technique. Pendant ce temps, les Anglais ne s'étaient pas encore repris de l'échec. Et les Espagnols arrivent. Après les Espagnols, ce sont les Portugais qui arrivent. Après les Portugais, ce sont les Anglais qui arrivent. Dans un tour mortel. Qu'est-ce qui faisait que les royaumes zoulous n'avaient pas de possibilité de se refournir, n'avaient pas de possibilité de se reconstruire, parce que la guerre était menée chaque fois avec un ennemi nouveau, fraîche, qui a observé vos techniques de guerre pendant que vous battiez avec les autres et est devenu en réponse. Eh bien, vous devez réaliser que malgré tout cela, ils ont quand même perdu plus de 20 fois. Au point où l'armée zoulou n'a été vaincue jamais, jamais par l'envahisseur. Chaka Zoulou n'a jamais été vaincu par l'envahisseur. Pour les vaincre, pour détruire les défenses d'État Netcher, pour détruire les défenses des Kemets, on utilise la ruse. C'est à ce moment que les frères de Chaka Zoulou, malades mentaux, avaient des problèmes, des problèmes mentaux, et récupérés par les prêtres de l'Église catholique, manipulés mentalement parce qu'il était la seule personne capable d'aller dans la ceinture de sécurité de Chaka, aller dans sa hutte pendant qu'il dormait. Chaka ne pouvait être tué par aucune autre arme que les siens. Toutes les armes avaient été utilisées. Il était invincible, complètement invincible. Canons, bombes, tout ce qu'on pouvait utiliser, tout avait été utilisé contre lui. Il était invincible. La seule arme capable de le tuer était sa lance. Et la seule personne capable d'arriver près de Chaka, prendre sa lance sans que chacun puisse rien dire, réagir. C'était son frère malade. Eh bien, l'Église catholique va récupérer les frères de chacun avec l'excuse de les tuer. Parce que vous devez réaliser que chacun, quand il bat les Occidentaux, il leur interdit toute action militaire. Mais il leur permet de vivre sur la côte. Et comme il parlait de Jésus-Christ, comme il voulait parler de la bonne nouvelle, les rois Chaka avaient commis l'erreur, ou disons, la largeur de cœur de leur permettre de prêcher le Jésus-Christ dont ils étaient porteurs. Eh bien, c'est ce Jésus-Christ, c'est par la voix de ce Jésus-Christ qu'ils vont récupérer les frères de Chaka avec l'excuse de les soigner ou de les délivrer de soi-disant démons, qu'il va être utilisé, manipulé mentalement, contrôler mentalement, l'utiliser comme un remote control, comme une télécommande, l'envoyer rentrer chez son frère, rentrer dans sa hutte, prendre la lance de Chaka, la seule lance capable de les tuer et de donner un coup mortel. Chaka mort. Il y a eu un grand problème. L'Occidentaux retourne à l'attaque. Mais là aussi, vous devez réaliser que les capitaine de Chaka, qui ormai s'était dispersé, avait quand même mené une défense, avait pu assurer la sécurité et l'intégrité d'État Netcher pendant très longtemps. Les déchirements politiques et la convoitise qui s'étaient installées les uns des autres grâce à la manipulation des prêtres présents sur le territoire. Les prêtres ont utilisé leur, disons, présence pour instiguer les doutes, pour instiguer la crainte des uns des autres. Ils ont divisé. Les capitaines étaient divisés. Et malgré cela, une grande résistance avait pu être menée jusqu'à ce que, enfin, l'Empire s'écroula de l'intérieur par manque des renouvellements de leadership aussi puissantes.
Un élément qu'on dit dans les films, on dit que Shaka Zulu n'avait pas voulu d'enfant. Que Shaka Zulu avait brûlé lui-même son même propre fils. Ça, c'est une erreur historique. Absolument pas. Les enfants de Shaka Zulu avaient pu être récupérés et tous anéantis. Tous détruits. Parce que pour les Blancs, il n'était pas possible, il n'était admissible pour les colons que Shaka Zulu puisse avoir des enfants, une continuité, et que ses enfants puissent être capables d'avoir son esprit et retourner pour détruire le travail de la colonisation pour lequel ils avaient vraiment investi beaucoup. Et donc, avec cette petite introduction, je vous rappelle que Shaka Zulu, son esprit est encore là, son énergie est encore là, sa volonté est encore là de combattre. La guerre aujourd'hui, qui va s'acharner dans le monde noir, impose que nous nous pacifions avec cette grande énergie disponible. Nous nous pacifions avec l'esprit de ces grands héros, que nous absorbons cette énergie pour que nous soyons en mesure de vaincre les forces qui sont en train de comploter contre nous, qui déjà ont franchi les seuils d'État Netcher, qui déjà sont déjà sur notre territoire. La guerre a commencé, mais nous n'en sommes pas encore conscients. Mais l'espoir ne doit pas nous lâcher. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons consacrer la soirée d'aujourd'hui et celui de demain à Shaka Zulu. Que cette énergie puisse nous revenir. Que cette énergie qui a vaincu plus de 20 fois l'ennemi, l'envahisseur, les colons, puisse nous retourner. Dua Necher Shaka Zulu. Dua Necher Onande. Dua Necher Sanzangankoma. Que la force du grand leader Kémétique Shaka Zulu puisse nous revenir. Pour ceux qui sont dans la célébration, qui n'ont pas réussi les colliers, les cuivres, tout instrument comme les ankh en cuivre ou encore les rods, celui des cuivres mis à la main droite, ont la même fonction. Ils nous reconnectent aujourd'hui et à demain à la célébration des grands combattants où nous célébrons Shaka Zulu. Dans nos prières, dans nos méditations d'aujourd'hui, invoquons cette grande énergie. Invoquons Shaka Zulu. Crions fort son nom, Shaka Zulu. Que cette énergie se reconnecte à nous par notre volonté. Et que nous nous élevons comme la grande armée Zulu et nous battons l'ennemi avec les mêmes nés. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Ercher, Dua Shaka Zulu.